Bonjour tout le monde, c'est Aurélie, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve aujourd'hui après à peu près 15 jours d'absence je crois. Oui, je crois que ça fait à peu près 15 jours que je n'ai pas filmé ni posté de vidéo. J'avais pas trop le moral à filmer, donc voilà, quand je suis comme ça je préfère ne pas filmer du tout et plutôt que de me plaindre. Voilà, clairement. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente mes dernières acquisitions en matière de beauté. Il y a aussi des soins et quelques accessoires, bijoux. Et sur ce, on commence de suite pour le haul qui suit. Alors je vais commencer par vous présenter ce que j'ai reçu du site Nijoli, donc ça m'a été envoyé gratuitement. Alors je vais commencer par tout ce qui concerne la beauté, donc je me suis pris 3 mascaras fibres, donc pour, ne me demandez pas pourquoi j'en ai pris 3, j'avais envie de tester plusieurs modèles, voilà. Ce sont des mascaras qui coûtent vraiment pas cher, je crois vers 2, 3, 4 euros. Et étant donné que j'avais envie d'essayer les fibres, vous savez, pour un petit peu rajouter de la matière au niveau de vos cils et pour avoir des cils beaucoup plus épais, beaucoup plus longs, j'avais envie d'essayer ça. Étant donné que c'était pas cher, je me suis dit, si ça marche, ça pourrait être un bon plan. Alors, je me suis pris cet ensemble-là. Donc, il y a la partie fibre et la partie mascara. Le mascara est comme ceci. La brosse est très grosse. Les fibres se présentent comme ceci. Et au niveau de la brosse, on a ceci. Donc les fibres sont assez longues, j'ai l'impression. Alors j'ai essayé vite fait ce duo un soir, mais vraiment vite fait. J'ai vraiment pas pris le temps de bien appliquer. Donc au niveau du mascara, j'ai pas trop aimé le résultat parce que j'ai trouvé que bon, il faisait pratiquement rien. Moi, avec mes cils, les grosses brosses, ça marche pas du tout. Et au niveau des fibres, je pense qu'il va me falloir un petit peu d'entraînement parce que je m'en suis mise un peu de partout. Mais bon, voilà, je continuerai à essayer et je vous en parlerai si vraiment je trouve que le résultat est génial. Au niveau des deux autres mascaras fibres, donc ils sont vendus individuellement et ce sont vraiment que des fibres. Donc c'est à peu près les mêmes. Je trouve que les brosses sont quasiment identiques. Voilà pour celle-ci. Et donc avec cela, c'est à vous de mettre votre propre mascara. Donc pour vous expliquer si vous ne savez pas, donc vous mettez une couche de mascara, ensuite vous mettez une couche de fibre et ensuite vous terminez par une autre couche de mascara pour bien fixer le tout. Et normalement vous devrez avoir des cils bien plus épais, bien plus étoffés et bien plus volumineux. Voilà. Pour ces deux-là, je n'ai pas encore testé, à tester pour moi. Et pareil, si je trouve que c'est bien, je vous en dirai des nouvelles. Mais franchement, pour le prix, ça coûte entre 2 et 4 euros. Je me suis dit, pourquoi pas tester, hein, j'ai rien à perdre hein, là-dessus. Je me suis pris aussi un petit accessoire comme ceci. Je pense que vous avez certainement dû le voir déjà. Donc c'est assez connu, c'est un petit accessoire qui va vous servir à mettre votre mascara sans déborder sur votre paupière. Donc, et pour la paupière inférieure, vous faites comme ceci. Et vous avez aussi une petite brosse au bout, mais par contre je ne sais pas à quoi elle servira, aucune idée. Donc voilà, je vous avoue aussi j'ai complètement oublié de l'utiliser ce matin, mais je pense que voilà, ça va faire son travail étant donné que ça épouse parfaitement mon œil. Donc je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Je vais continuer avec ceci. Donc c'est un arbre pour faire sécher les pinceaux. Alors j'ai reçu le colis hier. Donc j'ai attendu pour vous faire le unboxing en direct. Même si j'avais un petit peu regardé les produits, j'avoue. Mais voilà, donc je ne l'ai pas déballé. Donc vous avez une couche de protection. Voilà, donc j'ai trouvé ça super, le fait qu'il y ait un film protecteur. Et voilà, j'ai enfin terminé de tout enlever. Donc c'était assez bien protégé. J'ai un petit peu galéré. Mais bon, une fois que vous grattez, ça s'en va relativement facilement. Si vous prenez votre temps, il ne faut pas tirer d'un coup. Franchement, c'est super. Ça vous permet de faire sécher vos pinceaux la tête en bas. De ce fait, ça sèche déjà plus rapidement. Et en plus, l'eau ne stagne pas à l'intérieur, vous savez, du pinceau. Et ça évite les risques de moisissures, de bactéries, etc. Donc, c'est super. Alors, je continue avec quelques accessoires. J'ai pris des colliers et je commence par celui-ci. Que je voyais sur pas mal de personnes, hein, que ça soit sur les réseaux sociaux. Ah ben je vous le montre à l'envers en plus.
Alors il fait pas mal de bruit, donc je le trouve super joli et il est d'une super qualité. Donc surtout si vous avez envie de ce collier et que vous faites un tour sur le site Nijouli, n'hésitez pas à le prendre parce que la qualité est vraiment au top. J'ai craqué aussi sur celui-ci qui est vraiment trop beau. La qualité aussi est top. Franchement, c'est une qualité que l'on pourrait retrouver facilement chez Zara. Vraiment facilement. Il est vraiment très joli, les détails sont superbes et en plus il est lourd. Alors il est assez lourd, bon pas trop, mais certaines personnes pourraient le trouver lourd. Moi je trouve que ça va, enfin je trouve que il est particulièrement lourd par rapport à d'autres colliers que j'ai, mais voilà quand même ça va. Et pour terminer avec les colliers, j'ai pris un sautoir comme ceci, avec de jolis détails dorés, avec deux petites pierres roses très pâles, et j'ai adoré aussi. Donc celui-ci, je trouve que c'est celui qui pourrait faire un peu plus bas de gamme, enfin je sais pas. Moi je trouve que ça passe, mais bon, s'il y a des personnes qui sont très pointilleuses, peut-être qu'elles pourraient trouver que bon, il est un petit peu trop doré, ou enfin des trucs comme ça. Mais franchement moi j'adore. Donc alors pour continuer, j'ai pris une coque de téléphone pour mon iPhone et je vois qu'à l'intérieur ils ont mis un petit bijou, donc je vais l'ouvrir tout de suite. Alors la coque, elle se présente comme ceci, tout en transparence un petit peu mat. Vous voyez le plastique est mat avec de jolis dessins, mais voilà, c'est uniquement pour le design, le dessin que je l'ai prise. Après voilà, pour la protection, franchement, vous trouverez mieux, j'en suis sûre. Alors honnêtement, je ne me rappelle même pas si c'est moi qui l'ai commandé ou si c'est un cadeau qui vient avec la coque. Je ne me rappelle plus, je l'ai reçu en un mois, donc en un mois, franchement, je ne me rappelle plus ce que j'avais commandé. Et donc, c'est un petit collier comme ceci, tout fin, double. Et il est super joli et je crois que c'est moi qui l'avais commandé. J'avais envie un petit peu d'avoir des colliers fins comme ceci. Et il se peut que ça soit moi qui l'ai commandé. En effet, je ne suis pas sûre, mais bon, c'est possible. En tout cas, si c'est pas moi qui l'ai commandé, merci beaucoup parce que voilà, c'est quelque chose que j'aurais très bien pu commander et quelque chose dont j'ai envie, donc merci. Et pour finir avec le site Nijouli, donc j'ai encore deux choses super mignonnes à vous présenter parce que oui, sur le site il y a des choses trop chou, trop mignonnes. Donc je commence par ce petit kit de post-it. Donc ça se présente comme ceci, c'est trop beau, je vous ferai un plan rapproché parce que si je rapproche la lumière ça va pas le faire. Et non, c'est trop joli franchement. Ce sont des petits autocollants, des petits post-it et tout, mais trop mimi. Et enfin pour terminer, j'ai pris ceci, donc c'est une petite vache ventouse. Et ça sert en fait à tenir la brosse à dents. Donc je l'ai pris pour mettre la brosse à dents de ma fille et la mienne accrochée au mur comme ceci. C'est trop mimi, je vous montrerai aussi ce que ça donne en vidéo. Et voilà, on l'a reçu par deux. Et par contre, voilà, quand vous commandez ce genre de choses, voilà, c'est envoyé aléatoirement. Donc faites attention, regardez bien si c'est pas spécifié au moment où vous commandez votre objet. Et voilà, j'ai terminé pour tout ce qui concerne le site Nijouli. Franchement, j'en suis majoritairement très contente. Je vous mets un code promo de moins 10% juste là ou en barre d'infos ou même les deux. Je vous le mettrai de partout comme ça, vous l'aurez. Et voilà, on va passer maintenant aux achats de chez Beauté Privée. Alors sur le site Beauté Privée, j'ai pris trois choses. Donc je vais commencer par ce petit kit de rouge à lèvres de chez Bourjois. Donc je crois que c'était à moins 60% ou un truc comme ça. Et il m'est revenu à 25€ je crois. 25€ au lieu de 69. S'il y a 6 rouges à lèvres jumbo, vous voyez. Peut-être que je vous ferai une vidéo sur les swatchs de ces rouges à lèvres là. Ce sont des rouges à lèvres à effet glossy. Je me suis pris aussi ces patchs là. Donc ce sont des patchs que l'on met sous la plante des pieds. Et ce sont des patchs détoxifiants. Donc en fait j'avais lu un petit peu la notice. Et il disait qu'on devait s'appliquer ces patchs là sous les pieds avant de dormir et que bon, ils agissent pendant la nuit et que quand on se réveille le matin, on voit que le patch est humide et assez marron. En fait, ça va vous détoxifier, ça va attirer toutes les toxines et les choses pas très clean qu'il y a dans votre corps. Et en fonction de là où vous l'appliquez, en fait, au niveau de la plante des pieds, ça agit sur plusieurs zones ou certaines zones différentes.
Et voilà, moi je me suis dit pourquoi pas essayer, juste par curiosité, j'ai envie de voir un petit peu ce que ça a fait et dans quel état se retrouvera le patch le lendemain au réveil. Donc je vous tiendrai au courant de ce qui s'est passé. Donc c'est de la marque Patchness Paris. Et sur le site Beauté Privée, je me suis pris aussi ce vernis-là de chez Ciaté. Donc il y avait une vente Ciaté qui a duré quelques temps, mais je ne m'étais pas décidée. Donc... Et au moment où je me suis décidée, il en restait presque plus. Donc j'ai réussi à avoir celui-ci. On les avait, je crois, à 3-4 euros les vernis Ciaté. Et une dernière petite chose sur Beauté Privée, je l'ai pris parce qu'il était vraiment pas cher. Donc c'est une ambre solaire pour enfants en forme de pchit. Ça, c'est trop pratique. Pour l'été, pour protéger, je l'ai pris, c'est pour ma fille, pour protéger. Donc indice 50, donc c'est Garnier, de la marque Garnier. Et voilà, je l'ai pris parce que je sais que cet été, je vais en avoir besoin et que je l'achèterai automatiquement et à des prix exorbitants en été. Voilà, on trouve ces trucs-là à peu près à 12-15 euros. Tandis que là, je me rappelle plus trop combien je l'ai payé, mais en tout cas, c'était pas très cher. Moins de 5 euros, je pense. Ça en est tout pour Beauté Privée. Donc, comme d'habitude, vous avez, si vous êtes intéressé, donc mon lien de parrainage pour vous inscrire. Vous avez accès à des ventes à prix cassé. C'est de la vente privée, bien sûr. Mais en ce qui concerne la beauté, et c'est super intéressant, vous trouvez vraiment beaucoup de choses. Et surtout à petit prix. Donc mon lien de parrainage vous fait gagner 5 euros de bons d'achat. Donc si ça vous intéresse, franchement foncez, parce que c'est une mine d'or. On enchaîne avec Maquialia. Donc sur ce site là j'ai pris que deux choses, et deux choses vraiment superbes. Donc je commence avec ceci. Donc c'est un espèce de tapis qui va vous aider, enfin qui va vous servir à nettoyer vos pinceaux de maquillage, bien sûr. Et c'est une réplique parfaite du Sigma, mais en beaucoup moins cher. Donc vous le trouvez sur Maquialia à 17 euros. Celui de chez Sigma coûte une trentaine d'euros, je crois, si je ne me trompe pas. Et donc celui-ci, c'est de la marque The Brush Tools. Moi, j'ai le gant de chez Sigma, et au niveau des trucs en relief, là, au niveau des petits picots en relief, c'est exactement la même chose. Derrière, vous avez des ventouses, ça vous permet de le mettre dans votre lavabo et vous nettoyez vos pinceaux tranquillement, ça ne bouge pas, vous rincez, vous ouvrez l'eau, vous allumez l'eau, lavez vos pinceaux, vous rincez, et c'est trop bien, trop pratique. Donc voilà, ceci pour nettoyer les pinceaux, plus l'arbre pour sécher les pinceaux, franchement, je suis tranquille. Et sur le site Maquialia, j'avais pris le rouge à lèvres de chez Makeup Revolution, j'arrive plus à parler, hein, n'est-ce pas? Donc il est vert, donc c'est la teinte Atomic Serpent, donc je l'ai déjà abîmé. Alors pour vous raconter, il y avait plein de petites... il y avait déjà le code barre, il y avait une autre étiquette et je voulais les enlever. Et en enlevant, ça partait pas bien. Et comme une teubée, j'ai mis du dissolvant pour essayer de faire partir le reste de colle et le reste de papier collé. Et ça m'a carrément abîmé... le packaging, donc il est encore plus abîmé que si j'avais laissé les deux étiquettes, hein, les deux petits autocollants là. C'est pas grave, je l'ai payé 1,45€ je crois. Ouais, 1,45€, donc bon, pour le prix je vais pas me plaindre, hein. C'est pas grave, il aura un packaging pourri, c'est pas grave. Il est très bien, donc il va pas tenir toute la journée, mais en tout cas pour le prix 1,45€, voilà, je peux pas me plaindre là-dessus. On va finir assez vite parce que j'ai presque plus de batterie avec des produits pour cheveux. C'est ce que vous adorez, je suppose, hein, sur ma chaîne. Voilà, il y a beaucoup d'air loveuses. Donc j'ai reçu donc deux produits spécialement pour cheveux crépus. Donc il y a l'huile extraordinaire. Donc c'est une crème lavante nutritive, donc ça remplace un après-shampoing que vous utiliserez en co-wash par exemple. Donc celui-ci est vraiment fait exprès pour vous laver les cheveux et il n'est pas moussant. Donc c'est pour un lavage ultra délicat, anti-casse, démêlage plus facile, souplesse, définition dès le rinçage. Donc à tester pour moi. Donc je vous avouerai que quand je l'ai reçu, je n'étais pas sûre de garder ces produits là parce que je ne savais pas que c'était des produits spécifiques en fait pour cheveux crépus. Mais maintenant j'ai bien envie de les tester, je me dis pourquoi pas. Voilà, L'Oréal, Elsève, ce sont des produits qu'on trouve en supermarché
assez facilement et les prix ne sont pas trop élevés. Donc si on trouve des produits pour cheveux crépus qui nous vont, pourquoi pas, je dis, moi je suis toujours prête à tester ceci. Et aussi ça fait plaisir de voir que certaines marques s'intéressent aussi aux cheveux crépus. On a le masque Nutrition Suprême, donc cette fois-ci c'est un masque, un soin. Et je vous en reparlerai plus tard en vidéo si j'apprécie ou pas ce produit. Je finis cette vidéo avec trois produits que j'ai achetés sur le site Super Beauté. Donc c'est des produits aussi capillaires. Donc j'ai racheté en deux exemplaires cette fois-ci. Donc le Coconut Curling Cream de chez Cantu. Et ça clignote et je commence à avoir peur. Donc je l'adore, c'est vraiment un super produit. Aussi bien pour hydrater que pour vous aider à redéfinir les boucles. Alors voilà, ça c'est un twist out, je me suis remise au twist out parce que franchement le wash and go sur le long terme je peux pas, ça me cause trop de problèmes, mes cheveux s'en mêlent trop, voilà, j'ai toujours la main dans mes cheveux parce que la texture me demande de toucher mes cheveux, enfin je sais pas, c'est peut-être psychologique, mais en tout cas j'arrive pas à laisser mes cheveux tranquilles quand j'ai des wash and go. Et de toute façon, je suis toujours obligée de les manipuler dans la semaine parce que ça ne tient pas longtemps. Donc voilà, je me suis remise au twist out, c'est beaucoup plus pratique et voilà, ça me permet d'être tranquille plus longtemps. Donc voilà, pour ceci maintenant, j'utilise vraiment ce produit-là, c'est vraiment un réel coup de cœur. Je l'avais vu sur la chaîne de Peg My Haul. Je te fais un gros bisou, c'est grâce à toi que j'ai découvert ce produit et je te remercie d'en avoir parlé dans une de tes vidéos parce que c'est vraiment mon âme sœur. Du moment, ouais, c'est mon âme sœur du moment, hein, clairement, hein. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur de noix de coco, mais divine, et au niveau de la texture, franchement, il ne laisse pas de résidus blancs, il hydrate bien mes boucles, vous voyez, mes twist out. Aussi, le wash and go est bien hydraté, hein. Il est bien hydraté le wash and go aussi, et voilà, je l'adore, je sais pas quoi vous dire, je l'ai acheté en deux exemplaires. Donc voilà, c'est un coup de cœur pour moi, je l'adore. Donc du coup, de la même marque, j'ai pris une crème pour enfants, donc pour ma fille. C'est une crème hydratante, donc c'est la Curling Cream, donc de la gamme Care for Kids. Donc elle est sans sulfate, sans gluten, sans parabènes et sans huile minérale. Et au niveau de ma fille, je trouve que bof. Voilà, c'est bien, mais je m'attendais à mieux. J'aurais bien aimé que ça fasse le même effet que celui que je vous ai présenté avant. Mais voilà. Mais sinon, elle est bien quand même, mais je m'attendais à mieux. C'est-à-dire que ma fille a des cheveux beaucoup plus secs que moi. Donc, il faut vraiment envoyer le paquet avec ses cheveux. Voilà. Et bien sûr, j'ai pris aussi, ça c'est la deuxième fois que je le prends pour elle. Donc, c'est le pudding de chez Aunt Jackie, spécial fille, spécial enfant. Et donc, c'est le Baby Girl Curls. Donc, je vous mettrai bien sûr toutes les références en barre d'infos. Voilà, il se présente comme ceci. Et il est tout rose. Donc, les filles, enfin, ma fille l'adore, du moins, s'il sent très bon aussi. Alors, au niveau de la définition des boucles, pas du tout. C'est pas du tout un produit qui définit les boucles correctement pour les cheveux de ma fille. Après, si vous avez un enfant qui a des boucles beaucoup plus grosses, donc qui tire plus vers le frisé plutôt que le crépus, peut-être que ça peut le faire. Mais en tout cas, pour des cheveux crépus à fond, ça ne définit absolument pas les boucles. Par contre, voilà, ça laisse... Ça laisse pas un dépôt, ça laisse une pellicule hydratante, mais pas grasse, en fait. Et c'est ça que j'aime bien sur ce produit-là. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo haul. J'espère que la vidéo vous a plu, que ça n'a pas été trop long. Et voilà, donc si ça vous a plu, laissez-moi des likes. N'hésitez pas à vous abonner pour me suivre plus facilement et ne rater aucune de mes vidéos. Donc c'est gratuit et ça m'encourage énormément. D'ailleurs, merci à tous ceux qui s'abonnent au fur et à mesure et à bien sûr tous les anciens qui me suivent. Je vous adore, merci beaucoup. Et sur ce, ben, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt. Ciao. But let me show you I can fix you.